On commence avec un coussin à la crème d'ail noir et saucisson de cèpe. On poursuit avec la madeleine au parmesan, le croissant au chou rave qui a été travaillé façon pickles, garni de truites confites des sources de Heinbar. Vous aurez ensuite cette meringue à l'oignon nouveau. Et on conclut tout ça avec la croustade au caviar à Rennes, le caviar de Haran. Bonne dégustation. Donc là on est sur le Riesling Grand Cru Engelberg. Cœur de filet de thon rouge, hydromel de mûre, betterave au vinaigre de rose et huile verte. Bonne dégustation. Cette fois, je vous propose le Kérem Galifié du domaine de la Préside. Alors pour la partie poisson, le chef va vous proposer ici le soufflet homard. Le soufflet homard qui sera accompagné des asperges de violette. Donc Château Lafite Carcassette Saint-Estèphe en 2019. Cuillère à braise, déclinaison autour de la carotte. Écrevisses qui nous viennent de Plopsheim et qui ont été pêchées par Jean-Marc Adam, pêcheur professionnel de la Vansono. Émulsion carotte. Alors pour cette assiette de fromage à la maison Loro, vous allez retrouver le comté et le morbier du Jura, comté plus de 12 mois. Ensuite au milieu, vous allez retrouver la tome alsacienne aux fleurs. Et enfin, pour terminer cette assiette, on va aller outre-manche avec ce Blue Shore Fire. Alors, petit entremets avant d'arriver au dessert. Carottes et du miel de forêt. Bonne dégustation. On conclut avec un petit peu de fraîcheur et la rhubarbe d'Alsace associée à la fraise. Crème glacée et huile d'olive éteint. Et je vous sers une extraction de fraises. Une madeleine à la framboise, un chou à la crème et vanille de tactile. Un biscuit diamant et sa crème brûlée à la verveine. Bonne dégustation. Merci, Gilles.